Nous sommes en direct avec Adrien Quatennens, député de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur BFM TV. Alors vous avez entendu en effet annonce démentie, et puis probablement annonce d'ici quelques heures ou quelques jours. Quelle est votre réaction ? Écoutez, Bruce Toussaint, je crois que ça tient tout simplement au fait que Gabriel Attal est porte-parole d'un gouvernement qui ne gouverne plus. D'un gouvernement fantoche, en quelque sorte, puisqu'on le sait, les décisions, désormais, s'agissant de la crise sanitaire, ne sont plus prises en Conseil des ministres, elles sont prises dans le cadre de ce qu'on appelle le Conseil de défense, qui est devenu, en quelque sorte, un Conseil des ministres bis, convoqué à discrétion par Emmanuel Macron, dont la composition est à la discrétion du chef de l'État, qui est sous la coupe du secret défense, donc il n'y a pas de compte-rendu précis, et qui montre aussi peut-être le niveau de paranoïa qu'il y a au sein du gouvernement, en tout cas d'Emmanuel Macron vis-à-vis de son gouvernement. Peut-être a-t-il peur que les informations circulent trop vite, que les décisions ne soient pas comprises par tous les membres du gouvernement. On peut se poser la question, mais clairement, ce qui en résulte, c'est la cacophonie qui persiste. Et on a le droit de se poser des questions sur la gestion de cette crise et ce second confinement. D'abord, la première chose, c'est que le déconfinement a été un échec en termes de planification pour limiter la circulation du virus, sans quoi nous n'en serions pas rendus à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, vous le voyez comme moi, et vous le commentez suffisamment, c'est que ces nouvelles mesures, ce semi-confinement en quelque sorte, ne semble convenir à personne. On nous dit on cherche le point d'équilibre entre la santé et l'économie. Mais avec des mesures qui sont au milieu du guet, on risque d'avoir et les problèmes de santé et les problèmes économiques. D'un côté, j'entends les scientifiques, les médecins qui nous disent, compte tenu du niveau de circulation de l'épidémie, il est déjà trop tard et donc ce confinement plus light ne suffira pas. C'est vrai qu'Emmanuel Macron nous a dit ça va être plus dur que la fois précédente et il en déduit des mesures qui sont a priori moins strict. Et de l'autre côté, on a cette cacophonie sur le monde économique. Enfin, un peu de sérieux. Soit la situation est tellement grave qu'il faut confiner peut-être plus durement et alors mettre toutes les solutions économiques pour soulager les entreprises et les particuliers qui en payent le prix, mais qu'on arrête les demi-mesures. Comment expliquer, par exemple, qu'on ferme les petites librairies et que du coup, pour qu'il n'y ait pas de concurrence, on empêche de vendre des livres dans des magasins? Mais croyez-vous, Bruce Toussaint, que vous risquez plus de vous contaminer dans le rayon des bouquins que dans le rayon des boîtes de conserve? Tout ça est absolument absurde. Jusqu'à hier soir, où on apprenait d'abord que peut-être les rayons des magasins de grande surface allaient devoir retirer le maquillage, puis finalement non. Tout ça est une cacophonie sans nom, et je crains malheureusement que ce qui risque de se passer, on le voit bien, c'est que dans 10-15 jours, si nous n'atteignons pas l'objectif fixé par le président de la République en termes de nombre de contaminations, peut-être qu'il va y avoir des fermetures plus strictes, notamment, pourquoi pas, des collèges et des lycées. Mais Adrien Quatennens, on voit aussi que la situation sanitaire se dégrade. 400 morts rien qu'hier, plus de 52 000 contaminations. Il faut peut-être adapter, en effet, adapter au fur et à mesure les mesures. Bruce Toussaint, j'en suis d'accord. La situation s'est aggravée. Elle s'est aggravée pour plein de raisons, notamment l'absence de planification depuis le mois de mai, alors que le président de la République nous avait dit au mois de juillet, nous serons prêts. Alors j'entends qu'on ne va pas refaire le match, mais quand même on peut admettre que si on en est dans cette situation, c'est que rien n'a été fait pour planifier. Je vous prends un exemple, mais à l'école, les protocoles sanitaires, il y avait eu des alertes des syndicats. Ils ont été allégés par le ministre, les protocoles sanitaires. On aurait pu dédoubler les classes, embaucher, comme certains de nos voisins européens l'ont fait, des accompagnants pour limiter les effectifs, réquisitionner des bâtiments pour assurer la distanciation sociale, etc., etc. Rien de tout cela a été fait. Et aujourd'hui, on entend par exemple Bruno Le Maire qui fustige les maires des communes qui décident de prendre des arrêtés pour maintenir le commerce de proximité et qui dit qu'ils mettent la santé des Français en danger. Mais c'est le même Bruno Le Maire qui laisse tous les matins s'entasser les Français dans des rames de métro. Vous pensez sincèrement, Bruce Toussaint, qu'on risque moins de se contaminer dans une rame de métro bondée que dans un petit commerce pour acheter des livres? Enfin, on marche sur la tête, un peu de sérieux. Donc, à vous entendre, il faudrait refaire le confinement tel qu'il a été fait au printemps. Donc, à m'entendre, Bruce Toussaint, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. C'est lui qui dispose des éléments, pas moi, sur la situation de l'épidémie et ce qu'il conviendrait de faire. Je dis les choses très clairement. Soit on estime qu'on peut avoir un confinement au milieu du guet, en demi-mesure, comme on l'a là. Mais dans ce cas, on en finit avec les incohérences. Et je suis désolé, si on peut aller dans les rames de métro bondées les uns sur les autres où il n'y a pas de distanciation sociale possible, on peut aller dans un petit commerce faire ses courses en limitant le nombre de clients, en assurant des protocoles sanitaires. Et d'ailleurs, tous ces professionnels, artisans, commerçants, restaurateurs, n'ont eu de cesse de signifier leur disponibilité pour collaborer avec le gouvernement et établir ces protocoles. Première solution, soit on estime que ça n'est pas assez, qu'effectivement l'épidémie a trop circulé,
qu'on va au désastre annoncé à l'hôpital. Et dans ce cas, on arrête les incohérences, on confine plus durement et on soulage économiquement tous ceux qui en pâtissent en faisant en sorte, par exemple, d'arrêter au niveau européen le chantage à la dette, car tout le monde sait que cette dette sera impayable. Et donc, la Banque Centrale Européenne rachète les titres de dette directement aux États, les classe en dette perpétuelle et on s'endette aussi conséquemment qu'il le faudra pour soulager tout le monde. Mais c'est au gouvernement de prendre sa responsabilité. Il ne peut pas demander aux forces d'opposition d'endosser des décisions qu'il a à prendre aujourd'hui, d'abord et avant tout du fait de son inconséquence depuis le mois de mai. Voilà ce que je vous dis. C'est au gouvernement de décider, mais qu'on arrête cette cacophonie ambiante, parce qu'elle met y compris en cause la discipline sanitaire. On a une crise d'autorité au sommet qui est palpable et qui nous met toutes et tous en danger par ailleurs. Merci beaucoup Adrien Quatennens, merci d'avoir répondu à nos questions.